Yo tout le monde, c'est Finish et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais juste parler de la mise à jour parce que j'ai vu la vidéo de Supercell qui est très bien d'ailleurs, vous devriez aller la voir, hein, c'est ceci. Donc voilà, il y a un nouveau brawler et comme vous savez, il y a des nouveaux skins. Donc moi ça me fait plaisir d'en parler déjà et je vais sûrement acheter le Brawl Pass. Si bien sûr, le défi marche. Et donc, c'est parti, on va parler des brawlers. Et je vais aussi parler des skins et de leur beauté. Donc, c'est parti. Voici le nouveau brawler, vous l'avez devant vous. Ce brawler, je crois que c'est une fille, ouais. Ça se voit en plus. Elle s'appelle Colette. Et rien que déjà, là, en la regardant, je la trouve super stylée. Je dirais que... elle a une écharpe pour les mains ou un truc du genre. En tout cas, c'est stylé. Et elle a aussi un serre-tête. Elle a des dents bizarres. Mais en tout, c'est stylé. Et si vous regardez bien, dans ses mains, elle a un petit cadeau avec, on dirait, Spike et Pocostar. Attendez, regardez bien. Donc, je pense que vous avez vu. Et du coup, c'est dans leur vidéo de Supercell, on voit que Colette est un brawler très spécial. Parce que déjà, grâce à son attaque, elle lance une sorte de fleur, je crois, qui, quand elle touche quelqu'un, je crois que ça rebondit et elle devient vert. Et sa boule devient vert. Et puis, en plus, son attaque spéciale, c'est, on dirait, l'attaque de Daryl mélangée à celle de Boule. Donc, elle va loin. Et en plus, elle est rapide et elle revient. Donc, c'est super cheat. Et donc, j'ai fini avec ce brawler. Nous allons donc passer au skin. À bientôt. Et nous voici, les amis, devant la chère Trixie Colette. Donc, son skin. Et on va en parler tout de suite. Alors, déjà, moi, premier coup d'œil, on dirait un démon. On dirait qu'elle a fait un pacte avec le démon, puisque déjà sa queue en bas à gauche, vous devriez voir, ses ailes rouges aussi, ses cornes sont super stylées, hein, sa tête aussi, enfin la couleur de peau c'est trop stylé. En plus là on dirait vraiment qu'elle a des mains alors qu'avant pas trop, vraiment c'est un style pas possible ce brawler, enfin ce skin. Hein, en plus Trixie Colette, le nom je vois pas trop ce que ça veut dire. Mais ça met un style quand même. Bon, Colette, le nom, ouais, en vrai, j'aime bien Colette. Tout court, Colette, c'est pas mal en vrai. Mais Trixie Colette, c'est encore mieux. j'adore ce brawler, donc je vais sûrement acheter le Brawl Pass. Ah, mais non, c'est vrai. Ouais, mais non. Bon. Je l'achèterai sûrement. Et donc, on va passer au prochain screen. A tout de suite. Et maintenant, je vais vous présenter le magnifique Pocostar. Ça va être un des nouveaux skins. Que peut-on dire sur ce skin de Poco, qui n'est pas très puissant. Enfin, Poco, je le trouve pas très puissant. Mais là, je vais beaucoup plus l'honorer. Hein. Déjà, très beau. Hein, le chapeau en forme d'étoile comme Brawl Star. Enfin, l'étoile de Brawl Star. Avec le petit smiley, rigolo en plus d'être super stylé. Il est tout jaune, ça c'est pas nouveau je crois. Ses habits super beaux, super élégants. Sa guitare super belle. Enfin, que peut-on dire de plus? Il est magnifique. Magnifique, c'est tout. Pour un morse, il est magnifique, hein. Bon on va passer à l'autre brawler, hein. Donc à tout de suite. Donc là, on est en présence d'une Emery mélangée à Léon. On voit la sorte de casquette qui a les couleurs des Léons, plus les boutons de chemise. Et qui mange en gros El Costo en sucette. Enfin, et elle est toujours en train de dormir. Ce skin est plutôt fait pour les fans d'Emery plutôt. En fait, c'est comme quand Emery est sorti. Et El Costo, il la tenait par sa culotte, je crois, ou un truc du genre.
Donc bah on va passer à l'autre brûleur puisque moi je le trouve pas non plus ouf. Donc à tout de suite. Donc là bah c'est Elisa. Donc bah j'ai presque rien à dire sur ce brawler. À part que il est magnifique en fait ce skin. Donc, parce qu'en fait au début il y avait qu'un skin d'elle, mais c'était juste elle en bleu, donc c'était pas ouf. Donc bah je suis assez content qu'ils aient mis justement un autre brawler. Comme ça, enfin un autre skin d'Elisa, mais en beaucoup plus stylé. Donc là on va juste passer à l'autre. Qui devrait peut-être vous plaire normalement. Et voici le Lunar Sprout ou Wally Lune ou un truc du genre. Et ben très beau, très stylé. Vraiment c'est un astronaute en fait en Wally. C'est bizarre puisque les deux seuls skins de Wally, ils sont ultra stylés. Wally Tropical et maintenant Wally Lunar. Super stylé. Donc bah on va passer à l'autre skin qui n'est pas top, mais vous allez voir. Enfin, si, il est pas mal, mais bon. Ok, bah là c'est le Spike. Le Spike Arcade avec un masque, quoi, en fait, où il y a arcade. Et bah moi je le trouve pas top. S'ils le vendent à 20 ou 10 gemmes, je comprends. Après, il y avait aussi celui de El Costo avec et de Colt. Bon, c'est pas top à part lui avoir mis un masque sur la tête. Il y a quoi ? C'est pas ouf quoi. Voilà. Donc, voilà, moi je le trouve pas top. Et c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire sur ce que vous pensez de la mise à jour qui va arriver. Ou si vous avez des questions à me poser, enfin comme vous voulez, mais je vais mettre dans la description le lien vers ma vidéo où en fait s'il y a 5 likes sur cette vidéo, ben j'achète le Brawl Pass. Donc bon bah à bientôt, je vous laisse avec la petite musique de la fin.